Angel et El Topo récupèrent l'ordinateur de Christian. Jimmy parvient à s'allier avec le Prince pour l'aider en lui donnant des informations sur les descentes de police afin qu'il ne soit pas découvert. Ignorant que Jimmy prévoit de l'accuser, lui et Martin Asro devant la police. Cependant, le Prince est convaincu qu'il tuera Jimmy. S'il les échoue, d'un autre côté, la nouvelle assistante du cabinet d'avocats Manuela et Horacio. Andrés avoue à son patron, Horatio, qu'il l'admire depuis qu'il a défendu un homme gay pour avoir été injustement licencié du travail en raison de sa condition sexuelle. En plus, André est incapable de lui dire qu'il aime ça. Après avoir tué son frère Christian, Martine se repent en disant à Carmelo qu'il ne sait pas comment gérer l'entreprise sans Christian. Pour cette raison, Carmelo lui conseille de vendre son entreprise en envoyant l'argent sur son compte en Suisse. Sans savoir que Carmelo a proposé cela pour voler cet argent plus tard. Puisque Carmelo est allié à Lon pour s'approprier l'argent de Martin. Entrée dans la maison de Lon. Angel et El Topo récupèrent l'ordinateur de Christian Asro. Recherche sur Jimmy Cardona. Le journaliste Robledo tente d'extorquer des informations à Mike. Mais il ne dit pas un seul mot sur son ami et aussi un partenaire. Mais étant au poste de police, Robledo se souvient qu'il a vu un officier, Silvana, était rassemblé dans l'appartement de Salvador Domingue de avec lui. Manuela et Horacio. Afin de ne pas disposer El Topo contre son père. Perla n'est pas capable de dire à son bien-aimé que Don José flirte avec elle. Léon et Carmelo s'affrontent. Après avoir été conseillé par son escorte Carmelo, Martin décide de fermer l'entreprise de Davila et. Par conséquent, Lorenzo, son publiciste, devient furieux et abandonne l'homme qu'il représentait devant les médias. Et repentit. Martin promet à Lorenzo qu'il ne fera plus de choses folles et qu'il ne vendra pas ses entreprises. Ne pas trouver l'ordinateur de Christian. Léon est furieux contre Carmelo. Car ils pensent que Carmelo l'a volé. Et les deux finissent par pointeur leurs armes l'un sur l'autre. Se menaçant mutuellement de se tirer dessus s'ils se trahissent. Pour montrer son soutien, Manuela se rend en tant que spectatrice au parcours et je a démontré son talent. Peignant un grand tableau devant la presse. Bien qu'elle n'imagine pas qu'il y ait eu le journaliste Robledo. Qui les a impliqués sentimentalement. Pour la première fois, Sandro perd patience avec sa fille Camilo. Après avoir été renvoyé de l'école pour avoir brisé un verre avec des pierres. Un journaliste prend des photos d'Angel avec Manuela. Mike devient jaloux quand il apprend qu'un de ses collègues de l'enceinte du poste de police a invité Sylvana à sortir. Dans la grotte où se cache le prince. Sa maîtresse ose flirter avec Jimmy. Mais il la rejette. Pour atteindre la célébrité, Lorenzo est déterminé à emmener Martine à un événement avec le célèbre peintre Salvador Dali. Ne sachant pas que derrière ce costume se cache Angel, promenant son amour dans la rue, le journaliste Robledo prend plusieurs photos d'Angel embrassant Manuela. Bien qu'il pense qu'Angel et Salvador Dali, Angel et Martin étaient sur le point de se rencontrer, Test avec plusieurs mots de passe. Avec l'aide de Horacio et Manuela, El Topo parvient à entrer dans le disque dur virtuel où Christian conservait ses documents les plus importants. Gagner la confiance des médias. Convaincu par son conseiller Lorenzo, Martin organise une fête chez lui. Où il invite le peintre du moment, Salvador Domingue. Mais, le découvre où se trouve la fête et décide de ne pas se rendre chez son vrai père. Martin. Car il pense pouvoir le découvrir. Revoir les lettres de la défunte grand-mère d'El Topo. Perla découvre qu'elle envoie 700 dollars chaque mois à son fils José. À cause de cela, Perla commence à soupçonner que José est maintenant aux côtés d'El Topo de son fils pour l'argent de l'héritage de la grand-mère. Aussi, la nuit, José tente d'abuser sexuellement de Perla. Mais elle parvient à se défendre. Voir les photos qu'il a prises de Salvador avec Manuela. Le journaliste Robledo découvre qu'Angle se fait passer pour Salvador de Mimbé. Car il est un fugitif de la justice. Comme ils ne sont pas d'accord avec les mesures que Martin a prises dans l'entreprise, les dirigeants du conglomérat vont parler à Virginia et Ariana pour leur apporter leur soutien. Leur disant qu'ils veulent les aider à démasquer le successeur d'Anibal D'Avila. Car ils veulent tous sauver l'entreprise. Nommé Davila Enterprisé. Pour cela, ils décident de quitter leur emploi dans l'entreprise pour le moment. Jimmy. À contre-cœur. Aide le Prince, le journaliste Robledo montre à l'avocat Osvaldo les preuves montrant qu'Angle se fait passer pour Salvador Domingue. Lui montrant les photos dans lesquelles il embrasse Manuela. Et Osvaldo est furieux de découvrir qu'Angel est le père du bébé que Manuela attend et aime. Et Osvaldo ne supporte pas que Manuela soit amoureuse d'un autre homme. Puisqu'il l'aime depuis qu'il l'a rencontré à l'université. Invoquant l'excuse que le peintre Salvador s'est fracturé le bras. Lucas. Angel et Manuela parviennent à s'échapper de la fête de Martin. Et tous les invités disent au revoir à Martin en apprenant que l'hôte de la fête, Salvador Dominguez, ne pourra pas s'y rendre. Et Martin est furieux contre son assistant Lorenzo parce que sa fête a été un désastre à cause du peintre. Quand El Topo rentre chez lui, il découvre que son père José a essayé d'abuser sexuellement de sa petite amie Perla, qui était très nerveuse. Quelques instants plus tard, José arrive vivre à la maison et Bien qu'il nie avoir tenté de violer Perla. El Topo ne le croit pas et jette son père hors de sa maison. Qui menace de le trahir à la police pour avoir couvert El Diablo. Après lui avoir montré qu'il pouvait l'aider à faire entrer la drogue dans le pays. Sans que la police ne s'interpose. Le prince est heureux de l'intégration de Jimmy dans son organisation. Ne sachant pas qu'il le fait pour gagner leur confiance et ensuite le livrer à la police. De plus, Jimmy se sent très mal d'avoir aidé un trafiquant de drogue afin qu'il puisse distribuer de la drogue. Bien que l'un des policiers, Vega, tente de commencer une liaison avec Sylvana en l'invitant à dîner. Elle décide de se consoler avec son collègue. Avouant qu'elle est très amoureuse de Mike. Les suivre pour savoir si Sylvana et Vega sont dans une relation amoureuse. Mike surprend le couple. Croyant que Vega est une autre aventure de Sylvana. Tout comme il était. Puisque Mike n'imagine pas que l'amour qu'il ressent pour Sylvana est réciproque. Martin avoue à sa mère qu'il a tué Christian. Malgré tout ce qu'il a fait, José est capable d'aller demander de l'argent à son fils El Topo. Exigeant qu'il lui donne la moitié de l'héritage de sa grand-mère. Car il menace de trahir son ami Angel à la police. Peu de temps après, El Topo découvre que le mot de passe de Christian pour entrer sur son disque dur virtuel est crotino. Une insulte que Martine lui a répétée à plusieurs reprises. Bien qu'elle ne veuille pas les croire, Manuela convainc le procureur Osvaldo de l'écouter ainsi qu'Angel et ainsi de prouver qu'ils sont innocents. En l'emmenant chez Aingeol, Osvaldo y découvre également Jimmy. Et je l'explique à Osvaldo qu'ils essaient de démasquer Martin Asro. Le coupable de tout est le seul criminel. En plus, tout le monde voit la vidéo dans laquelle Christian trahit son frère Martin. Pendant ce temps, Graciela ose demander à son fils Martin s'il a tué Christian. Et confirme ses soupçons en répondant qu'elle l'a confié à Carmelo. Et Gracila pleure désespérément quand elle apprend que son fils a tué son autre enfant. D'autre part, Ferry trahit son amant le Prince à la police. Puisque c'est pour qui elle travaille. Manuela, Virginia et Ariana découvrent que Martin a assassiné Hannibal. Après avoir regardé la vidéo de Christian, Horatio est ému parce qu'il lui dit au revoir en lui disant qu'il l'aimait. Peu de temps après, Osvaldo décide de les aider à démasquer Martin Asro. Aussi. Pour la vidéo de Christian. Manuela apprend que Martin a assassiné son père Hannibal. Alors qu'il était sur le point de mourir de sa maladie. Ne sachant pas que Jimmy veut démasquer le prince et Martin. Ferry est une flic infiltrée qui se fait passer pour l'amante du prince afin de l'attraper et croit qu'elle devra se débarrasser de Jimmy pour que ses plans fonctionnent. Dire à sa mère et à sa sœur que Martin avait étouffé son père. Manuela fond en larmes inconsolablement. Tout comme Virginia et Ariana. Qui sont choqués d'apprendre que l'homme cannibale considérait comme son fils l'avait tué. Avant de faire l'amour, Manuela promet à Angel qu'elle l'attendra s'il est mis derrière les barreaux. D'autre part, les actionnaires reprochent à Martin Asro d'être inepte qui mettra en faillite la société de Davila Enterprise. Mais Martin ne parvient pas à un accord avec eux. Et ils décident de démissionner de leurs emplois. Jimmy se rend compte que Ferry est un agent infiltré. Après l'échec de Martin, Lorenzo décide d'abandonner Martin Asro. Quand Jimmy va à la cachette du Prince, Jimmy rencontre Ferry et son garde du corps de confiance et. Là, il découvre que le prince a rendez-vous avec Martin pour planifier comment ils vont continuer à faire du trafic de drogue. Ne sachant pas que tous les policiers sont à la recherche pour les capturer. Peu de temps après, Jimmy découvre que Ferry est celle qui trahit le prince. Et elle le découvre et lui donne un coup pour l'emmener alors qu'il est inconscient. Et Ferry emmène Jimmy. À qui elle avoue qu'elle est un agent de la DEA. Qui est après la capture du Prince. Et Jimmy explique à Ada qu'il est un policier infiltré. Qu'il est sur la piste de Martin Esro et que c'est pourquoi il s'est fait passer pour un fugitif qui veut aider le Prince. La police est sur le point de capturer Martin et elle, Principe, aidé par Andresse, secrétaire de Manuela et Horacio. Angel et El Topo incorpore une caméra dans un tableau qu'il a peint sous le nom de Salvador Domingue, se faisant passer pour l'assistant du célèbre peintre. André s'emmène ce tableau chez Martine. Où ils peuvent espionner Martine à tout moment. Après que son fils Camilo ait inventé à l'école que ses nouveaux parents, Sandro et Suzy, l'ont forcé à travailler dans leur restaurant. Sandro prend la décision d'appeler l'assistante sociale pour emmener le garçon dans un orphelinat. Qui rejette à tout moment l'amour que son père Sandro lui donne. Et pendant que la police, grâce à la caméra du tableau, écoute la conversation, Martin et El Principe parlent de leur plan pour continuer le trafic de drogue. Léon découvre qu'Angel est vivant. Le journaliste Diego Robledo demande au procureur Osvaldo Guerra de le laisser publier le reportage sur Angel Salvador Emanuela Davila. Mais le procureur lui demande que pour l'instant il ne peut pas le faire avant au moins deux jours. Quand Martin et le Prince se réconcilient avec leurs sales affaires. La police prépare tout pour les capturer le jour où ils essaient de faire passer la drogue en échange d'argent. Quelques instants plus tard. Le Prince dit à Léon qu'il ne comprend pas comment il peut faire des affaires avec l'homme qui a tué son fils, Kakoro. Bien que Léon pensait que Kakoro était encore en vie. Tandis que. Angel, Manuela. Virginia. Jimmy et Horatio célèbrent que tous leurs plans se sont bien déroulés et qu'ils sont très proches de la capture de Martin. En plus, Osvaldo a retiré les accusations contre Jimmy et. Comme si cela ne suffisait pas. Il a obtenu son badge rendu afin qu'il continue à être policier. Bien qu'Angel doive être emprisonné. D'autre part, le jeune Camilo invente une nouvelle recette d'empanada et il découvre qu'elles sont délicieuses. Puisque le garçon veut montrer à Sandro qu'il va changer. Mais Sandro est déjà le accent aigu parlé à l'assistante sociale, Roxana. Pour que Camilo retourne à l'orphelinat. Et puis, Suzy explique tout à Sandro et il décide de donner une autre chance à Camilo. Après que José, le père del Topo, ait flirté à nouveau avec Perla et aussi avec sa mère Suzy. Ivre. José dit à long que l'ami de son fils, El Diablo, ange, est toujours en vie et qu'il est revenu pour achever El Hierroé. Pour cette raison, l'on décide de fuir. Car il prévoit que la police capturera Martine. Martine veut échapper à ses problèmes avec sa mère Gracilla, comme sa fin est très proche. Martine propose à sa mère Gracilla de l'accompagner loin de New York. Et elle décide d'y aller avec son fils Martine. Puisque c'est la seule chose qui lui reste. En plus, elle se reproche d'avoir donné une mauvaise éducation à son fils et que maintenant il est si frivole. D'autre part, Lucas demande à Ariana de reconstruire sa vie avec lui et d'emménager dans son appartement. Et elle accepte la proposition parce qu'elle veut être heureuse avec Lucas à nouveau. Après avoir découvert que la clé de compte de Martin est Marina, Léon décide de prendre tout l'argent de Martin. Quand Joseph rentre ivre à la maison, il dit à son fils El Topo qu'il a avoué à long que El Diablo est vivant. Gracila se suicide. Quand Carmelo arrive chez Léon, il se rend compte que Léon voulait partir avec l'argent de Martin et ils deviennent furieux et se menacent mutuellement de tirer. Mais à ce moment-là, Mike et Sylvana arrivent pour arrêter Léon et pour s'être interposés afin qu'il ne tue pas Mike. Sylvana est abattue par Carmelo et. Par conséquent, Mike tire et tire sur Carmelo et. Favorablement. Sylvana est sauvée grâce au gilet pare-balles qu'elle portait. En sortant de sa maison. Heinz je l'attendais Léon. Qui l'a frappé pour le retenir et. Peu de temps après. Mike arrête long. Le lendemain. Martin est furieux d'apprendre qu'il n'a pratiquement pas d'argent sur son compte bancaire. De plus. Léon ne décroche pas le téléphone car il est emprisonné. Bien que Martin ne le sache pas. Quelques instants plus tard, Martin voit le rapport de Robledo. Dans lequel il se rend compte que son fils Angel est toujours en vie et que pendant tout ce temps, il a été avec Manuela et s'est fait passer pour le célèbre peintre Salvador Domingue. Et furieux, Martin casse le tableau que lui a donné son propre fils. Découvrant que derrière le tableau il y a un appareil photo. Et à ce moment-là. Martin panique à l'idée que la police l'attrapait. Par conséquent, il prend un avion privé pour s'échapper avec sa mère. Mais, quand il arrive chercher Gracila, Martin se rend compte qu'elle s'est suicidée. À ce moment-là, il commence à dévier et voit chacune des personnes qui l'a tuées. Qui lui crie dessus. Tu n'as nulle part où aller. Tu es seul. Pendant ce temps. Ada et les autres agents de la DEA arrêtent celui qu'elle prétendait être amant, Evaristo Ortega, alias El Principe, l'accusant de trafic de drogue. Après la fuite de Romero, Uribe est interrogé par la police, qui témoigne contre Romero, disant qu'il a essayé de tuer le capitaine Soto et qu'il a aidé Martin Esro dans des affaires frauduleuses. Et quand la police capture Romero. Il témoigne de la même chose contre Uribe. Pour cette raison, la police a mis Urib et Romero derrière les barreaux de la prison. Angel et Manuela parviennent à être heureux. Sans Martin, Angel soupçonne que Martin a trompé la police en achetant des billets pour se rendre en Suisse. Alors il cherche l'aéroport où il pourrait essayer de fuir dans un avion privé. En effet, Angel localise son père et dans une fusillade où Martin tente de tuer Angel et Jimmy. En essayant de fuir, Martin lui-même crée un feu dans lequel il finit par brûler, hurlant de douleur. Quelques mois plus tard, Jimmy devient capitaine de police. En outre, El Topo commence à travailler pour la police pour traquer les criminels virtuels, et Virginia commence son travail de présidente dans l'entreprise de son père. En plus, elle prendra ses premières vacances puisqu'elle est enceinte d'un enfant qu'elle attend de Virginie. Pendant ce temps, Ariana planifie le mariage entre elle et Jimmy. Et, en plus, le mariage à venir entre Sylvana et Mike. D'autre part, Horatio reconstruit sa vie avec Andresse. Son secrétaire au cabinet. Pendant ce temps. Heinjel parvient à devenir un peintre célèbre et est heureux d'être aux côtés de sa femme Manuela et de son fils Daniel, qui ont déjà célébré leur première année de vie de l'enfant.